biso to mesani na biso to mesani lipa et mataka pris chaque fois. Voilà, encore une fois, bienvenue à www.congodialogue. Encore une fois, bienvenue à l'émission Nabino Analyse, émission Auto Salaraba Analyse. Il y a sur la question, il y a actualité politique. En tout cas, je pense que Bumoni Biso a tous les quatre activités à Kosalema. Activité au Abengango, matinée politique. Matinée politique, où ils ont un but, il y a qu'on résoudre, ou encore qu'on a qui sa crise, il y a un poste électoral. Donc, depuis l'élection de Salema qui. En 2019, si les crises politiques ont été mona, alors on va épingler et puis on va passer ça point ni au Sénégali pendant le moment de la crise, il y a un poste électoral. Donc, sans plus tarder, tu recoutes dans la carte pour que tu aies en tout cas message nini, message ni aux clé, message nini au yoba bon belibiso pour na lelo. Alors, je rappelle encore na bande de kobasibiso, thème il y a matinée politique, ezali. La crise post-électorale en RDC, voie de sortie. C'est-à-dire que non, nous avons là, nous ni les Sénégalais qui ça là, pendant que nous avons la crise, il y a post-électorale. En tout cas, sans plus tarder, nous avons un cas comme ça, nous avons un message nini, Oyo, Babon Belibiso. Donc, nous avons juste après le message Oyo, nous avons aussi la copie de Sabiso. Nous avons un calamité. CongoDialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Makam wa danger di. Kito. Congo Dialogue. Pourquoi les gens ne peuvent pas mettre ça aussi de manière
ezali tokoko bana masore ya lelote soki toyebi nzembo confirmé par la Cour constitutionnelle, inféodé par le pouvoir en place. Il a été confirmé. Vous allez constater avec amertume qu'au niveau des législatives, non, au niveau national et provincial, nous avons commis des validés. Vous serez d'accord avec moi, nous sommes dans tout le pays. C'est une responsabilité qui nous incombe tous, chacun là où il est, il a cette parcelle de responsabilité. Et comment j'ai le droit à être voulu? En 2011, la même chose. Et en 2018, nous avons connu le même. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Si vous êtes, si vous n'êtes pas d'accord, manifestez-vous. Il faut acclamer que nous ne sommes pas d'accord. Mazi, Maza, Yayo, d'autres réflexions. Nous avons tout mérité que chacun a eu tant de temps. Il faut une voie de sortie. Il faut réfléchir en termes des conséquences. Comme il y a de légitime, comme il y a de légal. Et que c'est encore, nous devons y réfléchir. Je crois que ce soir, vous serez d'accord avec moi, vous aurez des réponses. Vous ne serez pas ici, je vous rassure et je vous souhaite tous la bienvenue et suivez les intervenants avec une attention particulière. Et après les mandis, je vous remercie. Merci Mingi, na président national il y a RPDR, M. Bobo Laboué, pour la confiance Oyo à Salingaï, à Pessingaï, opportunité ya Kosanganana Bino pour que tout échange. Il n'y a pas que le président, il y a aussi tout le comité national, il y a parti. C'est eux ensemble, Bamonaki, qu'il fallait Moma Oyo et Zalo. Par ricochet, je voudrais également Koebi Sabango, c'est-à-dire le comité national et le président national. Félicitations, félicitations pour Nanini, parce que parti politique. Rôle naïe et ali conformer n'a pour informer population. Et si le parti s'inscrit dans cette voie-là, ça veut dire qu'ils ont honoré l'engagement naïe, ils ont joué le rôle naïe, ils ont sala oyo et sengeli à sala. Et il n'y a pas beaucoup de partis dans ce pays, dans la gango. Donc c'est un moment, un temps. Très précieux, ensemble. Sans abuser de votre temps, Bapesinga item, les crises politiques récurrentes en RDC, causes et solutions. Namukuse, comme modérateur d'entrée de jeu, l'a dit, le trouble Nambo Kanabiso est remonté depuis l'année 1960. En 1960, on organise les premières élections parce que, à ce temps-là, on avait opté pour la démocratie. On organise les premières élections, parti Oyo, et Zalaki, majorité gagnant l'élection, Bapesi Bango Oyo, Sengelaki Bapesate, Bapesi n'a parti qui était minoritaire. Bien entendu, à ce temps-là, ils avaient dit Koyokani. Et ce n'était pas exactement ce qui a posé problème. On arrive en 1965, Tokomi na système unitaire.
bien que c'est un système unitaire, unitariste, comme on peut le dire, et Zalaki fait multipartisme, Zalaki régime, il y a deux partis, on avait reconnu deux partis. Mais dans l'exercice, ce n'est plus deux partis, et Zalaki sur le terrain, mais ce n'était qu'un parti. Après révision de la Constitution, ce parti-là était devenu un parti unique. Au point que moi, je suis un Zalaki na Libumu ya maman naye d'office à Zalaki, membre du parti Wana, sans le vouloir ou pas. C'était déjà une obligation. Eh bien, c'est à partir de ce moment, jusqu'à nos jours, na Congo, jamais on doit calme, jamais on doit kimia, jamais ba diriger pays, ba duboyo, ba jouir na confiance ya peuple. Jamais. Ce n'est pas arrivé. Et c'est ce qui fait que nous avons tout le temps de problèmes dans ce pays, au lieu que les gens se focalisent pour savoir comment développer le pays, comment amener le peuple congolais à l'épanouissement, les gens se préoccupent à se protéger pour conserver leur pouvoir, pour conserver leur bien, parce que le pouvoir, ils l'ont eu, na voix, il y a malamouté, na voix, il y a kitokoté, c'est ainsi que, et comme il y a problème, il y a muscle. Et tant que je suis sur le sujet, je vais réfléchir, je vais nini et je vais vous la cause. Je vais humblement, je vais quelques causes, on ne saura pas aborder la cause de nous, ce contenu du temps qui nous est imparti. Première cause, à notre avis, c'est que Bissau va congolais en général. Tondimi, démocratie. Tolobilaka, démocratie. Mais dans l'exercice, il y a pouvoir, on n'a jamais accepté la culture démocratique. On ne l'accepte pas. Donc, il y a un condiment et un monoko. Tout le monde a la démocratie, n'a maloba. Mais dans la pratique, les Congolais ne sont pas prêts pour vivre la démocratie. Bien que ceux qui ont été dans partout là où la démocratie est vécue comme il se doit, vous allez vous rendre compte que le pays Wana, ils ont se développé, le pays Wana, ils ont avancé, le peuple se retrouve. Mais malheureusement, dans le Congo, qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour nous? Par contre, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour les États-Unis d'Amérique. Mais nous, pour qu'on en arrive là, il faut que quelqu'un maîtrise ses devoirs et ses droits. C'est alors qu'il saura que voilà ce que la nation attend de moi, ce que je peux faire pour la nation. Et le jour où on atteint cette maturité, eh bien vous allez voir, les choses vont commencer à changer. Après tout, Balobaka, nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? C'est supposé que Moutounyosu et Sengeli aillent Bamibeko. Donc tant que vous voyez Bamibeko, Namibeko wana ezalakaka na eloko l'état zo sengayo sala. Namibeko wana ezalakape na biloko oyo esengeli l'état asala pona yo. Soki oyebi yango te, okoyeba ko défendre yango te. Deuxième proposition de solution, c'est que le peuple congolais doit privilégier l'intérêt supérieur. Donc, doit vivre réellement le patriotisme. Et vous allez remarquer, on dirait qu'il y a un décalage. Tant qu'on a bandé à couper sa cause, dans la plupart des cas, j'ai semblé relever les méfaits des politiciens. Les politiciens, ils sont politiciens égaux dans les politiciens. Ils sont politiciens, tout privilège à Gaboé. Mais quand je commence à donner la solution, je parle le peuple. Je ne parle pas d'abord le politicien. Vous savez pourquoi cette question pouvait venir après? Vous savez pourquoi? C'est parce que les politiciens que vous voyez, tels que vous nous voyez ici devant, nous sommes le produit de la société congolaise. Ça veut dire la mentalité des Congolais, c'est ce que nous avons. Nous sommes le reflet de ce que le peuple est.
Alors, pour trouver la solution, il va falloir que le peuple, lui, se dise, désormais, moi, en tant que peuple congolais, n'a-t-il pas intérêt à Mboka, l'Ikolo et à Nyonso, au lieu il y a pas intérêt à Ngaï, l'Iboso. Troisième piste de solution, c'est que le peuple congolais doit cesser avec la culture du conformisme. Bomoni et l'Ogozo Sala, Bissoba Congolais, Totika Lakandenge, Tozalaka, c'est parce que Bissoba Congolais, nous sommes installés dans notre conformisme, installés dans nos habitudes. Bissot Tomesani Nabisso, Tomesani Lipa et Mataka pris chaque fois. On s'habitue aux mauvaises choses. Toti Lubumbashi, na président Mafa, na pompe à essence. Na kuti 1 litre essence na Lubumbashi 1600 francs. Anta na Kinshasa ezalaka 2250. Vous États-Unis, ils oublient que pour que France aille à la hoya zali, il a fallu que les Français se disent soki kokufa tokufa. Il faut en finir avec ces régimes de voleurs, de despotes, de mauvais. Ils se sont décidés. C'est ce qui nous manque, nous les Congolais. Voilà pourquoi Tozana Soro, Tozana Ngo. C'est pourquoi Balobaka en français, un peuple mérite ses chefs. Donc, Kozalana Mukonziloko la Kabila, pour le Congolais c'est normal, c'est bien. Pour des hommes sérieux, avoir ce monsieur-là comme président, c'est une insulte intolérable. Mais au Congo, ça passe. Et enfin, on a Silissa pour ne pas abuser du temps. Et Sengeli, parmi ma solution, que Tosuka finalement, Bissoba Congolais, de faire de notre pays une nation. Tant que le Congo ne sera jamais une nation, il y aura des divisions, il y aura des problèmes. Pourquoi? Parce que généralement, nos politiciens utilisent certaines fibres tribales. Au Komona, parce que politiciens Azaya Bandundu, il s'appuie sur ses frères les Pangi pour soutenir rien, quand bien même lui n'apporte rien pour le pays. Parce que Yazamouane et tout, allez, Bamanse Bagnonso, Simanaye, Bapuyeye, bien qu'il n'a pas été élu. Parce que toi tu es, je ne sais, de Congo central, allez, tu dois entraîner les gens, Bisou et Fotokata Congo, Congo central, Totika Lamboka part. Eh bien, parmi les solutions que Sengeli Bissoba Congolais, toi encourager ba jeunes, toi encourager Bango, Babalana, Mukongo, Abali Mungala, Mungala Abali Muluba, Muluba Abali Muswahili, ainsi de suite. Plus il y a ces mixages, plus nous aurons une nation. Quand on aura une nation, on aura le même langage. Et quand on aura le même langage, politiciens ou Yakoko Sabiso, à cause de la dissoute, je vous remercie. Voilà. D'abord, la Opèse Président Bobe, merci mille. Merci mille parce que Azali, leader, il est Bosso. Depuis le mandat dynamique de l'opposition. Depuis le mandat la Mouka, Azali, Bosso. A suivi l'initiative et a organisé la rencontre, a invité Baninga pour que Alexander nous a promouvé. Président Bob, félicitations. Alors, terme, ma pessie, les autres scènes de ma français, Bon, à tous les amis, abandonnez. Je suis pas là.
situation. Il faut totalement. Et l'autre zone pour la mission, ou l'autre zone pour la mission, les amis balais, Kobanga, Nagokoso, Yabombo. Kobanga, Bande pour la mission, ma soudanais. Batelemi, Babengali, président de la mort. Président de la procès, il fallait Mandalon, pas ça qui s'est. Bande pour la mission, Algérie. Batelemi, Babengali, papa de la mort, à la tête de la quitte. Attends pour la quitte. Babou, il avait, Batelemi, qui, parce qu'il y a un côté, je vais en entier. Babouti, là, c'est un peu, Batelemi. Il y a son sur la salle. Sans partage pour la qualité, à lui les mamans, il y a un peu de temps à lui. À lui qui s'est inscrit. Le 30 décembre 2018, nous prenons l'élection. Dans l'élection, tout le monde sait Martin Fayoulou a gagné l'élection. Mais comme en 2006, Bembe qui avait gagné, Kabila qui avait triché, Kabila a gagné le parole. Donc comme en 2011, papa était Tshisekedi a gagné qui, Kabila a triché, a contré le dirigeant de parole. Mais dans le moment-là, papa était à la salle de combat à vérité des sûrs. Tant qu'à la salle de combat, on a tous les gens qui sont surtout. Ne pas de famille de peste, la carte à combat à vérité des sûrs. Donc, comme il a 2018, donc quel est ma problème? Martin Fayoulou a gagné l'élection, Félix d'être Joseph Kabila a triché comme en 2006, comme en 2011, a nommé Félix Tshisekedi comme le président. Donc, les deux mois de la tête à Congo, tu donnes deux présidents. Un président élu, légitime, avec la légitimité populaire, comme le Martin Fayoulou. Et l'autre, c'est-à-dire Félix, qui est un président légal, légalisé par CENI et puis par Cour suprême de la justice. Cour suprême, CENI, ne m'a pas la cabine. Aujourd'hui, on a un problème de l'hospital, on a un problème de décider que Félix a pris la pression. En réalité, il y a une pression qui est de l'hôpital de l'hôpital. Et c'est-à-dire que les deux mots, nous avons deux pressions. Un qui est légitime, l'autre qui est légal. Mon amour est gros à diriger par deux pressions. Et en plus, il y a une troisième pression. Il y a une pression masquée. Hier, j'ai dit masqué, à Bombala, à Monacatier, mais tout le monde a fait le fait. Nous avons dirigé pour que c'est Kabila. Il y a un problème qui est très bien que, tant que vous félix, à ce qu'il dit, vous avez vu que je tends la main, la commandant du peuple de Martin Fayoulou. Martin, vous avez vu le tant que Martin, il pose le mot à Félix, après le mot Kabila, à Tikon Malabou. C'est Kabila qui dirige ce pays. À partir du moment où on a crise de légitimité, on a foutu le Manayango. Il y a deux ou trois solutions. Mais dans mon pays, la solution, le président Martin Fayoulou a été représenté partout dans le pays. À ce qu'il tournait les rôles américains dans ma proposition à sortir des crises. Ben, il sait très bien que, mais il y a le mieux gagné. On se rappelle qu'il a gagné. Tu dis que nous avons gagné. Mais pourquoi nous avons
Merci beaucoup, président. Pour gratifier moi, vous avez 4 minutes. Pendant 1968, le nom de la Tamafa. Le voie de sortie, c'est tout simple. Nous sommes de la dynamique en même temps de la Mouka. La Mouka, vous savez très bien qu'au niveau de la dynamique, on a Martin Fayulu comme coordonnateur. Les propositions avancées par Martin Fayulu, ça a été discuté au niveau, de la, au niveau d'abord de la dynamique avant que ce soit les propositions de la Mouka. Tout ce que nous demandons, c'est quoi? C'est que, qu'on aille vers des élections anticipées. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une crise. Les gouvernés ne se reconnaissent pas auprès des gouvernants. Les institutions qui sont mises en place ne reflètent pas la volonté populaire. Nous sommes dans la lutte pour la vérité des urnes, qui est aussi un combat souverain. Souverain pourquoi? Parce que le peuple a élu un homme, et cet homme, oui. Tout ce que nous demandons, qu'on reprenne les élections dans un délai de 2 ans. Élections anticipées. Mais avant d'y arriver, on devrait opérer des réformes sur le plan de la CENI, sur le plan de la Cour constitutionnelle, sur le plan de la bonne gouvernance, enfin, des institutions qui ne fonctionnent pas très très bien. Une fois qu'on a opéré ces réformes-là, on pourra ensuite aller aux élections. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, aller aux élections anticipées, même les élections locales pour le Boukoumès et consort, avec cette CENI, avec ce cours-là, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque de connaître les mêmes bêtises qu'on vient de vivre tout récemment. Donc nous voulons qu'on aille vers des élections anticipées. Avec quel moyen allez-vous? Les moyens, c'est un faux problème, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a quelques acquis. Donc tout ce qu'on a fait avec la CENI, on ne partira pas à zéro. On partira sur la base de quelque chose. Mais l'argent, le Congo a beaucoup d'argent. Au jour d'aujourd'hui, si vraiment il y avait une bonne politique de la lutte contre l'impunité, je vous dis, dans moins de 1 mois, 2 mois, le banque sera remplie. L'État aura beaucoup d'argent parce que tous ceux qui ont pillé ces pays, tous ceux qui ont des sommes dans le paradis fiscaux, ça pourra revenir ici. Et même pas ça, il n'y a pas de mal à demander à la communauté internationale de nous donner un coup de pouce. Mais aller aux élections anticipées, c'est même une exigence aujourd'hui. Au moment où les peuples attendent le gouvernement qui va sortir bientôt, ils exigent encore les citoyens d'aller aux élections. C'est effectivement le défi que nous avons à relever dans ce pays, c'est celui-là. L'on ne peut pas se conformer à quelque chose d'anormal. Nous venons d'organiser les élections, comme vous le dites, et nous savons tous que c'est Martin Fayulu qui a gagné avec plus de 62%. Comment trouvez-vous normal qu'on nous dise, qu'on nous impose quelqu'un et nous nous prenons acte et nous disons que oh oui, qu'il nous donne un gouvernement que nous allions. Nous nous sommes inscrits dans la voie de la démocratie, nous devons apprendre à respecter les règles de la démocratie. La démocratie veut que celui qui doit gérer la magistrature suprême, accéder à la magistrature suprême, soit élu par le peuple. Et celui qui a été élu, c'est Martin Fayulu, il est abject, impensable que l'on nous dise il va falloir que Tshilombo nous donne un gouvernement. Le peuple n'a pas attendu de ce gouvernement, d'autant plus que. Pourquoi nous y tenons tant? Nous y tenons parce que, vous le savez, dans notre pays, quand quelqu'un est élu, il est redevable. Quand quelqu'un a été nommé par Kabila, il n'est pas redevable au peuple, il est redevable à Kabila. Si vous voulez que vos intérêts soient pris en compte, il faut que celui que vous avez choisi soit aux affaires pour qu'il tienne compte de vous. Parce que 5 ans après, il aura encore besoin de vous. Celui qui a été nommé ne rend compte qu'à celui qui l'a nommé. Maintenant, faites le choix. Pensez-vous que Tshilombo a à défendre les intérêts du peuple ou bien les intérêts de Kabila? Si le peuple estime qu'il va défendre les intérêts de Kabila, il n'a pas de raison d'attendre le fameux gouvernement qui viendra qu'enfoncer sa misère. Pour nous, pas le candidat du peuple, le commandant du peuple, vous voulez dire, ou bien le président légitimement élu, vous voulez dire, il n'a pas le choix, il n'a qu'à prendre son bâton de pèlerin pour nous conduire vers la victoire finale, c'est-à-dire lui accède à la magistrature et le peuple se voit respecté. Pourquoi on vous aurait demandé d'aller aux élections?
d'aller vers les urnes pour aller voter. Pourquoi? Il va falloir qu'on apprenne à respecter le peuple parce qu'il est souverain premier. Vous ne pouvez pas, d'une part, reconnaître vous, peuple, que vous êtes souverain premier, d'autre part, quand on bafoue votre souveraineté, vous trouvez normal. Ne trouvez pas ça normal. On doit respecter votre souveraineté. Donc, il faut que celui qui a été choisi par le peuple dirige ce pays. Oui, na kanisi que tout à l'heure na loba ki mwa muke, mais ceux qui ont sali développement au komona ke na loba ki ebele aujourd'hui. À qui la faute? Puisque on n'a pas suivi muto ya zwa ki élection azala ki o azala ki élu par le peuple. Alors c'est ça. Ceux qui bazong si Martin Fayulu, toko bima na katia crise oyo tozali na ngo lelo. Tant que Martin Fayulu a l'équité, tozala ka na pasi wana. Puisque ko continuer kaka. Puisque banda ba noma bango, gouvernement ti lelo, ça fait combien de jours gouvernement ezo bimate. Bon nga zo zela na mona ngo. Comme ça. FCC 42, cash 23, donc maintenant, Dimitri, puisque nous avons un côté, est-ce que nous avons un côté? Combien de jours tu as causé là? Bah, il y a un peu de temps et il y a un lobby. Après, lobby y a un lobby. Si les autres ont commis 5 jours, et puis il y a un peu de temps. Si lobby est samedi, après c'est dimanche, est-ce que tu as sûr que tu as un peu de temps? Pour nous, et là, on a un bloqué, il y a un peu de vérité. Oui, Martin Fayulu a encore l'acheté. Il faut continuer. Puisque tant qu'on a été en Gongawana, la vérité des urnes, et qu'on a mal à Moupo, Batunyo Somokili, Bakoko, Batunyo Sobazo Yokake, Moutoua Gagnaki Yeyu. Oh, Moussoua Gagnaki, c'est ça. Ok, merci. Quand on aura chassé la peur et qu'on aura évité l'envie, le goût de l'argent pour l'argent, nous allons nous rendre compte que nous sommes des hommes comme tous les autres hommes du monde entier et que la Constitution de la République nous donne la possibilité à son article 64 de nous opposer à tout individu ou groupe d'individus qui tente de prendre le pouvoir ou de l'exercer en violation de la Constitution ou en violation de la souveraineté populaire telle que clairement définie dans l'article 5 de la Constitution. Voilà, donc, nous ne pouvons pas accepter, chers amis, oui, on n'acceptera jamais que la corruption, la fraude, la tricherie, le vol soient institués comme mode d'accession au pouvoir dans ces pays. Sinon, on va tuer la démocratie. Et nous n'accepterons jamais que nous vivons dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo et qu'en réalité, c'est une république dictatoriale, ce qui n'existe pas à travers le monde. Comment par rapport à la taille du gouvernement, 65 ministres? Mais, mes chers amis, avez-vous déjà vu dans le monde entier l'hippopotame donner naissance à une antilope? Jamais. Ou l'antilope donner naissance à un éléphant? Non. Monsieur Félix Tshilombo, il est le fruit de la corruption, il est le fruit de la fraude. Et tout ce qui sortira de lui est fraude et la fraude corrompt tout. Le gouvernement qu'on vous propose, 65 ministres et vice-ministres, c'est un gouvernement qui a été conçu pour que M. Kabila rémunère les gens qui l'ont aidé à s'enrichir. C'est pour chasser le chômage politique des membres influents de la Kabylie qui ne se retrouvent plus à la présidence. Et regardez, qui ont été nommés députés nationaux à l'Assemblée nationale? Ce sont les anciens ministres et les anciens fonctionnaires de Kabila, par prévision. Qui ont été nommés sénateurs? Ce sont les mêmes. Et qui seront dans le gouvernement? Ce sont les mêmes. C'est pour vous dire quoi? Vous ne devez pas compter et espérer dans ce théâtre de la vie politique. C'est une théâtralisation de la vie politique. Le salut est dans les réformes que le commandant du peuple a proposées, dans le schéma que nous avons appelé la proposition de sortie de crise. Nous devons
engager les réformes de la CENI, la Cour constitutionnelle et d'autres institutions de la démocratie. Et après ces réformes, nous devons aller aux élections anticipées dans les 18 à 24 mois pour que les véritables élections se tiennent et que le vainqueur soit connu et que la vérité des urnes soit établie. On aurait dû rappeler à l'ordre la Cour constitutionnelle pour qu'on nous ramène les PV que la loi a imposé à la CENI après l'élection de déposer à la Cour constitutionnelle. On devait recompter les voix pour connaître qui était le vrai vainqueur. Mais ce n'est plus possible parce que sur instruction de Kabila, la CENI et la Cour constitutionnelle ont jeté les PV dans le fleuve Congo. Ça n'existe plus. Et la seule solution, il faut se remettre à la population. Il faut redonner la voix à la population parce que les votants sont là. Et ils savent, celui qu'ils ont voté, vous pouvez leur demander de revoter 100 fois, ils vont voter les mêmes personnes. Et voilà, notre position est là, mes chers amis. On peut acheter tout le monde, mais on ne peut pas acheter. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. C'était bien une matinée politique avec comme thème comment sortir du crise de poste électoral. Donc, quant à moi, je vous dis déjà un grand merci. Il n'y a pas à faire de commentaires parce que vous avez suivi, vous avez vu, vous avez suivi aussi les interviews. Donc, jusque-là, en tout cas, il n'y a pas de commentaires à faire. Donc, je vous dis déjà au revoir. Au revoir. Soyez toujours connectés sur www.congodialogue pour la suite de vos informations, en tout cas, donc nulle part ailleurs sur votre chaîne et puis sur en suivant votre émission Analyse où nous faisons des traitements des questions d'actualité politique. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et le rendez-vous c'est au prochain numéro. CongoDialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Makam, 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 Mwadangé dit. Kitoko. Congo Dialogue.